À travers une décision prise vendredi 12 février, la Cour constitutionnelle du Bénin a mis fin à la mission du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Il est demandé au COSLEPI, dirigé par Augustin Ronvoy-Bla, de se retirer du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs. La mission de cette commission a en effet pris fin le 31 janvier 2016. Le Centre national de traitement est autorisé à procéder aux opérations d'achèvement du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs jusqu'à l'installation de l'Agence nationale de traitement. Il est ordonné au COSLEPI de transmettre immédiatement au Centre national de traitement tous les documents électoraux et de faciliter à ce dernier la production des cartes d'électeurs. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs confiées désormais au Centre national de traitement se poursuivent dans les départements du Borgo à Libori et du Littoral. Pendant ce temps, l'opérateur technologique continue la production des cartes d'électeurs qui devraient être livrées le 15 février à minuit. Le choix définitif de l'option se fera le 15. Si le 15 février, il faut qu'il y ait une nouvelle réunion et avec visite sur le site que le COS L'EPI nous indique que toutes les cartes sont produites, qu'elles sont acheminées dans tous les départements respectifs. L'option de la nouvelle carte sera prise définitivement. Mais avant ça, l'option est ouverte d'utiliser les nouvelles cartes ou les anciennes. Tout citoyen qui détiendrait l'une des cartes pourrait se rendre au scrutin si le 15 prochain, toutes les cartes n'étaient pas éditées. La Cour constitutionnelle a validé la proposition du report du scrutin au 6 mars 2016 suite aux concertations entre la commission électorale et les candidats. Au niveau de la Sénat, un nouveau spécimen de vote doit encore être élaboré et proposé aux candidats, le premier n'ayant pas fait l'objet de consensus.